Hello la compagnie! Ça fait 2 semaines que je vous ai plus donné de petites nouvelles, donc j'en profite pour faire le point. La dernière fois qu'on s'était quitté, j'étais au lac de la Madine et j'ai fait l'expérience des montgolfières. C'était top! Je me dirige vers Strasbourg et en fait c'est trop chouette parce que j'avais oublié à quel point c'est agréable de rouler sur un itinéraire où tout est fléché, où il y a une piste cyclable. Et où t'es un peu tranquille quoi. Je vais arriver à Saverne là, petite découverte de cette petite ville, et on va voir ce que ça dit. En tout cas le soleil est de la partie, donc ça c'est cool. Je vous montre mon petit spot de bivouac hier soir, où j'étais ici. Petit lac privé, et il y a plein de pêcheurs qui sont arrivés gentiment me réveiller pour me dire que c'était privé et que je dois partir. Changement de décor. Voilà, là je suis en Alsace. Que parcourir 100 km aujourd'hui, 95. Du coup là j'ai les genoux en compote. Il me reste plus que 5 km et j'arrive à la frontière suisse. Alors je profite parce que c'est hyper agréable. C'est d'ailleurs une étape de l'Eurovélo 6. Je savoure, c'est trop cool. Allez, je continue mon petit bout de chemin. Il me reste 200 mètres de dénivelé à faire. Apparemment, le point de vue en haut est magnifique. Allez, la dernière ligne droite, on y va. Bon, voilà les gars, je suis en haut. Bon, c'est beau quand même. C'est quand même très sympa. Et maintenant, je vais entamer la descente. Wouhou ! Bon, faut quand même mettre la main sur la pédale de frein parce que ça descend bien ici. Hein. Regardez-moi ça, comme quoi il n'y a vraiment pas besoin d'aller loin pour découvrir de la magie. Hein. Et je voudrais juste passer un petit message, big up à la Suisse, parce que franchement, je kiffe, mais overkiff rouler ici. Tout est fléché, les itinéraires sont top, les paysages sont beaux. Notre prochaine retrouvaille, moi je vais pédaler en Suisse et je vais donner 2 conférences, donc je vous envoie toutes les news la semaine prochaine. Ciao ciao.